Bonsoir, bonsoir à tous et j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR, votre nouvelle séance de relaxation. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé de beau pour ce soir? Tout simplement, une vidéo de collection. D'abord, avant que la vidéo commence, petit instant pub pour un abonné qui a une chaîne YouTube et c'est devenu mon mini maker. C'est celui qui fait mes miniatures, mes dernières miniatures que vous avez pu voir dans mes dernières vidéos, et il a plus de 150 abonnés il me semble. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il fait du très bon boulot et sa chaîne sera en description. N'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner si sa chaîne vous plaît tout simplement. Alors c'est vrai que j'ai sorti une vidéo sur le triple ASMR hier et malheureusement j'ai dû la supprimer. Pourquoi? Je vous expliquer en bref pourquoi j'ai supprimé cette vidéo. Tout simplement, c'était pas agréable à écouter. Il y a même un abonné qui m'a fait la remarque que c'était pas agréable et après je l'ai regardé, mais c'est vrai que ça faisait trop de bruit dans les oreilles. Du coup, j'ai dû la supprimer et en compensation, je vous ai sorti cette vidéo de collection de jeux PS5. Alors la dernière fois que j'ai sorti une vidéo sur la collection, c'était sur les jeux Switch. Et aujourd'hui, sur la PS5, je crois pas que j'ai déjà fait cette vidéo sur la PS5. Et je possède pas mal de jeux sur la PS5. Alors, je possède... Alors, attendez, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 jeux. Après, c'est vrai que j'aurais pu attendre les 20 jeux pour faire cette vidéo, mais le prochain jeu, ce sera au mois de juin que je vais m'en acheter. Pour l'instant, il n'y a rien qui me plaît. Alors, je possède 19 jeux, mais j'ai 20 boîtes de PS5. Tout simplement, je possède ça, mais c'est pas un jeu, c'était un pack de skins Legend of Rage sur PS5. Du coup, ça me fait 20 boîtes, mais j'ai 19 jeux jouables. Alors, c'est pas dur, on va commencer par la première pile. Alors, pour ces 19 jeux, j'ai tout simplement, bon, FIFA 22, je l'ai racheté, espérant y rejouer et prendre du plaisir, mais je prends plus de plaisir comme avant. Je prends plus de plaisir comme avant sur les FIFA. Du coup, je les laisse un peu de côté. Le dernier jeu que je me suis procuré, c'est tout simplement, bon, il est pas terrible, il paye 60€ quand même. Il est pas terrible. C'est Vampire The Masquerade. Voilà, Vampire The Masquerade. Non, il m'attire pas trop. J'ai joué une heure et demie, là, il n'y a pas d'action, il n'y a rien quoi dans le jeu. Pendant une heure et demie, tu te fais chier. Et ouais, j'ai joué une heure et demie et j'ai pas accroché. Ensuite, un très bon jeu en multijoueur. Il peut se jouer à un, mais il est super dur à tout seul. Du coup, en multijoueur, il est très bon. C'est tiré d'un film, c'est Evil Dead The Game. Un très bon jeu, je jouais avec mon frère des fois de temps en temps. J'avais joué à la sortie tout seul, très très bon jeu. Alors, un autre jeu que j'ai adoré faire, enfin, depuis la mise à jour, parce que ce jeu, il est vraiment, vraiment, vraiment dur. Il est vraiment dur comme jeu. Et ils ont sorti la mise à jour, une grosse mise à jour pour le mettre en mode facile. C'est tout simplement La Vengeance édition de Sifu. La Vengeance édition de Sifu. Alors je l'ai, mon frère l'a acheté en dématériel sur sa console et comme j'ai le transfert licence avec lui, j'ai pu y jouer et le terminer et le platiner. Oui, je l'ai platiné ce jeu. Assez facile à platiner depuis la mise à jour. Il n'y aura pas une mise à jour, j'aurais jamais
fan depuis le premier, c'est la licence des The Dark Picture. C'est celui-là, c'est House of Ash. J'attends le dernier jeu de cette licence avec impatience qui doit sortir cette année logiquement. Et là, le 10 juin, il est un peu préparé comme jeu, mais c'est pas de la licence The Dark Picture. C'est The Gary. C'est à peu près le même type de jeu, mais à mon avis, il va plaquer celui-là. Alors, un jeu que j'ai fait sur Xbox One, à la sortie du jeu, il était gratuit dans le Game Pass, et du coup, il l'a ressorti sur PS5. Logiquement, c'est une exclu Xbox, mais il l'a ressorti sur PS5, c'est The Medium. The Medium, un survival horror. Un très très bon jeu, je recommande. Un très très bon jeu d'horreur. Après, un jeu que j'ai payé, ça valait vraiment le coup. Je l'ai payé dans un magasin d'occasion. J'ai vu le prix, je l'ai vu, je l'ai pris direct parce qu'il est à 80 € en ce moment, ou 70 €, je sais plus. Et j'ai vraiment adoré, c'est le Marvel Gardien de la Galaxie. On payait pour seulement 40 €. Ça valait vraiment le coup que je l'ai vu, j'ai pris direct. Alors un autre jeu que j'ai adoré, enfin tous les jeux que j'ai, de toute façon j'ai adoré, à part quelques-uns je pense. C'est le Horizon Forbidden West. Je vous ai fait une vidéo relaxation dessus. Il est super bon. Plus facile que le premier, plus facile. Alors un autre jeu qui se passe à Tokyo. Un autre jeu qui se passe à Tokyo, je l'ai apprécié, mais sans plus. Il était vraiment. À la fin, c'était lassant. C'est terminé, mais à la fin, c'était vraiment lassant. C'est le Ghost Warrior Tokyo. Ouais, ça. Le Ghost Warrior Tokyo. Il est bien. Et en plus, il est en français, ça qui est bien. Et c'est Bethesda. Ouais, je suis pas trop fan des jeux de Bethesda. Mais. Ouais, les pions en plus. Ah, une licence que j'apprécie, dont je suis fan depuis le premier. Bon, si vous connaissez tous, il y a The Last of Us et après il y a Uncharted. Et je me suis pris l'autre Legacy of Thieves Collection avec le 4 et The Lost Legacy. Pour ceux qui connaissent Uncharted, vous allez me dire qu'il est bien. Alors, mon premier jeu PS5 que j'ai eu grâce à mon frère, le tout premier jeu PS5 que je revendrai jamais parce que c'est le tout premier jeu que j'ai eu, c'est le Ratchet & Clank Rift Apart. Le Ratchet & Clank Rift Apart, un très bon jeu de plateforme, d'aventure, il est très très bon. Et en plus, dans ce Ratchet & Clank, il y a un mode facile où tu peux pas mourir. C'est ce que j'ai fait, moi je voulais pas faire ça dès le début. Ils m'ont mis dans ce mode-là. Du coup, bah, j'ai fini le jeu sans mourir. C'est mon frère qui me l'a revendu celui-là. Ensuite, un jeu que j'ai apprécié beaucoup, 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 c'est le Kena Bridge of Spirit, le Deluxe Edition. Le Kena, il est super bon comme jeu. Il est un peu court, mais super bon. Ensuite, un autre jeu de la licence que j'apprécie vraiment, enfin j'en ai fait qu'un de cette licence. Ouais, j'ai pas pu faire les autres parce que je les possède pas. Payé pour 25 € en occasion, du coup je l'ai pris pour ma collection. C'est le Metro Exodus. Bon, je l'ai déjà fait celui-là. Il y a celui-là que j'ai déjà fait et le Last Light, je l'avais fait sur PC à l'époque. Très bon jeu Metro, très bon jeu, très très bon jeu. Alors les fans de manga vont m'insulter parce qu'il est sous blister, il est encore sous blister ce jeu. Que je devrais faire d'ailleurs, et c'est Sega qui fait ça. Ah ouais, ah non, je croyais que c'était Bandai Namco qui faisait ça. Mais non, c'est Sega. Oh. Du coup, c'est le Demon Slayer. Il y a beaucoup de fans de ce manga, à mon avis, dans ma communauté ou même ailleurs. Ils sont plus encore, il faut que je le fasse. Alors, un jeu que j'ai payé 40 €, j'aurais pas dû l'acheter. Mais bon, moi, je suis. Je vois un jeu pas trop cher, je le prends. Mais 40 € pour ça. Ça fait un peu cher. C'est le Chivalry 2. C'est Chivalry. Un jeu médiéval. Un jeu. Je sais même pas, médiéval Online Warfare.
En ligne uniquement PS+ requis. Ouais, c'est un jeu. Tu dois défoncer tout le monde avec des épées de TH200. Bon jeu d'horreur. Et je recommande vivement si vous l'avez pas fait. Il est pas cher, 30 € je crois. Et même sur Amazon, vous pouvez le trouver. Même sur Vinted, tout ça, vous pouvez le trouver pas cher. C'est le Martha is Dead. Oh, qu'est-ce qu'il est bon ce jeu. Non, la tête, elle est bien à l'envers. Ouais, la tête, elle est bien à l'envers. Le Martha is Dead. Qu'est-ce qu'il est bon. Et je l'ai fait éplatiner. Qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est bon. Alors, un jeu en multijoueur également que je l'ai pas terminé encore, faudrait que je m'y mette. Des fois, je pensais bien mettre sur ce jeu. C'est le Black for Blood. Le Black for Blood. Un très bon jeu de FPS. Un FPS avec des zombies. Ah, celui-là. Moi qui n'ai pas fan de Star Wars, mais j'aime bien Star Wars, mais je suis pas un grand fan de ouf. C'est le Star Wars, c'est la saga de Skywalker, les Lego. Alors on va dire que c'est mon deuxième jeu. Mon deuxième jeu Lego préféré. Bien sûr, le premier jeu Lego qui me tient à cœur, c'est Harry Potter, Lego Harry Potter. Et celui-là, c'est le deuxième. J'en ai pas fait beaucoup des Lego. Et le dernier jeu que je me suis procuré il y a un moment déjà, c'était quand je me suis procuré la Switch OLED. Il me semble que j'avais pris ce jeu-là. C'est le Alan Wake Remastered. Ils annoncent un 2 prochainement. On dirait que j'achète Alan Wake. Un petit survival horror. Je sais même pas si c'est survival horror ce jeu. Mais il y a des moments que ça fout les jetons. Mais il est tellement bon, le Alan Wake, l'écrivain. Alan Wake, je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais l'écrivain, mais je connaissais pas. Mais il est tellement bon, Alan Wake. Voilà pour mes 19 jeux. Mes super bons jeux. Alors, je possède que des bons titres. Hein. Alors, ouais, après, comme mauvais titre, j'ai Valerie. Après, j'ai quoi d'autre? Après, j'ai. Attendez, je regarde. Après, comme mauvais jeu, j'ai Valerie. Bon, FIFA 22, ça commence à me saouler. Je comptais revendre. Mais le problème, c'est qu'il est gratuit sur le. C'est qu'il est gratuit sur le PS Plus en ce moment. Après, le mauvais jeu. Enfin, on va pas dire qu'il est mauvais. Mais tu te fais chier. Pendant 1 h 30, je me suis fait chier. Du coup, bah, c'est ma femme qui me l'a payé en plus. Après, il y a FIFA. Et puis voilà. Voilà pour mes 19 jeux PS5. Alors, c'est vrai, j'aurais dû attendre les 20 jeux. Et le 20e jeu, je pense que je vais me prendre. Qu'est-ce que je vais me prendre comme 20e jeu? KO, je sais plus quoi là, c'est un jeu de kangourou. De kangourou, c'est presque dans le même style de Spyro. De Spyro, tout ça là. Crash Bandicoot. Ouais, c'est KO, je sais plus quoi. Il est sorti aujourd'hui, du coup, j'allais me le prendre très prochainement. Ça me fera les 20 jeux. Voilà, en espérant que cette vidéo de relaxation vous aura plu, qu'elle vous aura relaxé plus que celle d'hier que j'ai supprimée. Je voulais essayer, mais bon, je vois que ça n'a pas plu. Du coup, bah, je l'ai supprimée. Et c'est vrai que ça fait un peu mal aux oreilles, les trois ASMR d'un coup, ça, mais c'est pas relaxant. Et je faisais rien dans la vidéo, du coup, c'était pas divertissant. Voilà. Et sur ce, je vous laisse pour ce soir. Et on se retrouve.